one girl taken rather than given away. Lee Jenkinson will remember his first goal for Coventry. Mais à la masse de se lancer, un départ rapide de Deby, mais aussi de Groenendaal sur la droite, et au centre de Pantani, il va très vite. Le petit Pantani qui a répété trois fois ou quatre fois au moins son départ ici à l'échauffement pour essayer de reconnaître. Et bon départ de Paul Herreigers aussi qui est bien revenu. Excellent départ de Toby Herreigers, ces deux Belges ensemble. Au sprint on est fort. Après il faudra voir ce que ça va donner dans la boue. Mais bon départ des Belges. Mais je crois que pour Herreigers c'est vraiment très très important de réussir ce départ parce que j'ai discuté avec son directeur sportif il y a quelques minutes et lui persuadé que s'il passe bien son premier tour, donc s'il peut mettre dans sa tête qu'il est un vainqueur potentiel, qu'il ira très loin aujourd'hui. Herreigers devant Pontoni et Van der Poel, dans cet ordre-là, c'est très important. Herreigers est le premier devant Pontoni à passer justement dans cette première véritable portion de prairie. Et vous le voyez, pas question de passer à vélo. C'est beaucoup trop lourd et maintenant il faut montrer qu'on a des jambes. Il y a des Suisses aussi qui se placent devant. Regardez cette mare, il est évident qu'il y a à peu près 70% de ce peloton qui ne va pas jouer la gagne. Je dirais qu'en ratissant très large, il y a 20 candidats à la victoire. En tout cas, une avance de la part d'un coureur suisse d'entrée qui a pris quelques mètres. Et Simunek est deuxième. Et Herreigers s'est occupé de se faire enfermer dès le premier morceau. Oui, Mark Janssens, quatrième, qui remonte sur son vélo. Et un coureur suisse qui emmène devant Simunek et Pontoni pour le moment. Ouais, Herreigers est en 15e position. Je ne mentissais pas, Honegger. Le Suisse Honegger qui, en principe, sauf sans doute s'il est champion du monde, dispute aujourd'hui sa dernière course de cyclocross. À bientôt 30 ans, il a décidé qu'il en avait assez fait. En tout cas, c'est lui qui a le mieux négocié cette première courbe. Vous voyez que ça monte très fort. Là, on remonte sur le vélo et j'assure que c'est dur, là, déjà. Il faut être capable de grimper. Alors, on va découvrir ce coureur suisse qui est effectivement Honegger devant Simunek, l'étonnant Luca Bramatti, italien plutôt habituel sur la route. Wabel est quatrième, Runkel cinquième. Et puis Van Sandvliet et Verwecken comme Belge pointé. J'avais vu Mark Janssens il y a un moment, c'est plus le cas. Donc, Herreigers qui a vite sauté, je dirais. Ce sera une indication importante dans les minutes qui vont venir. Dès le moment où il a dû mettre pied à terre pour le quai de la première prairie à monter, bon, il a été directement, je regardais d'ici, et il a été directement en difficulté. Par néerlandais, parmi les hommes de tête, pratiquement également, qui ont quelque peu manqué, complètement même manqué leur départ. Et donc, Verwecken, n'oublions pas, médaillé de bronze l'année dernière, troisième des championnats du monde à Coxide. Et Van Sandvliet, qui est un petit peu le dernier vu dans cette équipe, c'est le débutant, première fois qu'il venait au championnat du monde, première fois qu'il prenait l'avion aussi d'ailleurs. Et Van Sandvliet, qui est en principe, disent les spécialistes, celui qui va le mieux à pied. Alors attention, accélération de l'Italien, descend de 39%, c'est déjà pas mal, vous allez voir que ça va encore être plus terrible derrière. Je pense pas que ce soit Pontoni, ça a plutôt l'air d'être Bramatti encore. On va voir ça de plus près, de toute façon ce sont deux petits formats tous les deux. Vu de là, on peut toujours confondre. Mais donc ça se décante déjà de manière très nette, regardez. Les Néerlandais incarnés là par Willem de Vos, mais qui sont surpris. Simunek, en tout cas, parmi les grands favoris, est celui qui a fait le meilleur départ. On n'a pas beaucoup parlé des Français, mais Arnoux semble être dans le coup aussi. Voici un passage un petit peu plus roulant. Et donc, en tout cas, Honegger et Wabel, les deux Suisses, dans la roue de l'Italien qui m'a l'air d'être Bramatti. Qui fait peut-être le travail de ça pour Pontoni aussi, essayer de partir très 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 fort. Vous voyez que le coureur français descend de vélo, mais que l'Italien continue un petit peu plus. Alors regardez bien ce passage-ci, c'est le plus impressionnant à mon avis des 2900 mètres. Bien sûr à pied, et vous allez voir, 62%, ce n'est pas une côte, c'est un mur. Et regardez, cette image se passe de tout commentaire. C'est comme un alpiniste qui doit choisir véritablement où il va mettre ses pieds, tellement c'est profond. Et je vous assure que ça tire sur les cuisses, sur les muscles. Arnoux qui est donc dans le groupe de tête, avec les Suisses Honegger et Wabel, avec l'Italien Bramatti, avec Simunek. Ce sont pour le moment les quatre hommes qui sont le mieux dans ce début de championnat. Bramatti, donc Honegger, Mark Walder aussi qui est revenu. Arnoux, Simunek, Magnin et donc Verwecken qui est le plus jeune des Belges et qui est celui qui fait la meilleure prestation pour le moment. Le seul Belge dans le coup, soyons honnêtes, pour le moment. Je ne sais pas si on peut vraiment se rendre compte en regardant la télévision. Bon, les garçons, ils viennent de courir pendant, je pense, ça fait une distance de 50-60 mètres, à du 62%. Et là, ils arrivent sur du tarmac, ils sautent sur le vélo et ils relancent vraiment la mécanique sur une côte d'une dizaine de pourcents de dénivelé. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Ça doit faire
après 5 ou 6 tours, ça doit laisser des traces, c'est une chose incroyable. Avec une accélération de Dominique Arnoux, ça peut être intéressant, mais ça n'a pas l'air d'être Arnoux, ça. On va voir un petit peu plus près. Si, si, c'est lui. Arnoux, Simounec, il y a Magnin qui revient là également, Bramati, les Mark Falder. Ah, il y a un deuxième Belge, Van Sandvliet qui est là également, avec Verwecken. Et voilà celui que beaucoup attendent, c'est Runke, le numéro 97, dans la roue donc de Verwecken, que vous voyez là. Runke qui a annoncé à la presse suisse qu'il allait devenir champion du monde. Hein. Oui, n'oublions pas, il avait un contrat chez Yann Raas, et ce contrat sur route n'ayant pas été reconduit, il a dit que maintenant il se consacrerait à 100% au cyclocross, et il espère, devant son public, remporter un titre de champion du monde. On n'en est pas là, on va revoir cela. Regardez donc Bramati. Le numéro 61, Gianmario Luca, je disais bien, Bramati. Et on vous montre au ralenti ce passage très difficile après ce pont. Le fameux mur à 62% avec une des 14 caméras de nos amis suisses qui réalisent ce programme. Mais déjà retour avec deux Français. En deuxième position, Arnoux. Et l'homme qui est devant, c'est Emmanuel Magnin. Et puis suivent Honegger, Simounec, Verwecken, Bramati, Mark Walder, Wabel, Runkel qui est là. Et le premier coureur néerlandais que j'ai pu apercevoir est Wim De Vos. Donc, ils se font un petit peu la malle, là, nos deux amis français, avec Emmanuel Magnin en tête. Et Dominique Arnoux en compagnie de son ancien équipier, puisque je rappelle qu'Arnoux a quitté l'équipe de Guimard, équipe dans laquelle figure actuellement Emmanuel Magnin, pour la nouvelle équipe, le groupement, qui possède déjà un champion du monde sur route avec le club blanc. Imaginez si Arnoux ou Ciotti, hein, le champion de France, qui appartient aussi au groupe Le Groupement, devient champion du monde. Ça fait deux champions du monde dans la même équipe, une équipe qui commence seulement maintenant dans le vélo. Ça serait assez extraordinaire. En tout cas, voilà un beau spectacle de la part de nos amis français qui ont échoué à la deuxième place, je le disais en début de reportage, tant chez les espoirs que chez les juniors. Oui, les Français, bon, nous, Belges, nous disons, c'est un parcours qui n'est pas vraiment pour nous. On n'a pas l'habitude de rouler sur ce genre de parcours. Mais les Français non plus. Il faut bien le dire que la plupart des cyclocross qui se disputent en France se disputent dans des parcs. Et que ce sont en général des crosses beaucoup plus roulants que les nôtres encore. Donc ici, ils sont vraiment très surprenants et ça veut dire que tout simplement qu'ils sont en grande position. Claudie, on va montrer à nos téléspectateurs, c'est assez impressionnant. La première partie de la descente, regardez, très technique, ça descend à du 60%, mais vous allez voir que la deuxième est encore plus terrible. Ce sera la deuxième partie de la descente. Là, regardez, il faut vraiment faire attention de ne pas tomber. C'est une descente très molle, très dangereuse. Et là, c'est vraiment la descente la plus impressionnante. Regardez, avec le pied droit pour essayer de se reprendre. Il y a un bon travail là, donc des deux coureurs suisses qui ramènent Simounec, qui parmi les grandes pointures est le seul à être devant, puisqu'on n'a absolument pas vu Van der Poel, complètement disparu. Groenendaal, c'est l'ensemble des Néerlandais qui sont carrément restés calés dans la boue. Pantani, on l'a vu avec Erreger sur l'asphalte, c'est plus pleurer. Hein. Il est le premier à être passé dans la boue avec Erreger, on ne l'a pas vu non plus. Mark Janssen, notre champion de Belgique, est pour le moment totalement invisible. Donc, on attendait peut-être du côté français Ciotti. Eh bien non, ce sont deux autres qui sont là. Regardez comme c'est dangereux. Donc, Emmanuel Magnin, Dominique Arnoux, Simounec, Runkel, et je pense que c'est Honegger, l'autre coureur suisse. Voilà, Runkel, de toute façon, qui a fait un bon travail, qui est bien revenu, et puis un petit trou avec Verwecken, qui se trouve donc pour le moment en 6ème position, et là le trou est déjà plus important, donc une très très bonne course pour le moment d'Erwin Verwecken, qui confirme, n'oublions pas, son énorme talent, car Verwecken, en étant 3ème l'année dernière, était le premier amateur, en quelque sorte, n'oublions pas qu'il est toujours amateur, et que ces championnats du monde sont une épreuve open. Voilà, petit regroupement, avec un petit moment d'arrêt, vous allez voir, on va passer devant la ligne d'arrivée, c'est peut-être le seul endroit où on peut récupérer un petit peu, et c'est favorable à Verwecken, qui va pouvoir revenir, on va avoir un groupe probablement de 6 hommes devant. Vous savez, Verwecken est occupé des tournées sur monde quand même, parce que c'est un coureur longiligne, donc il n'est pas du tout avantagé, il est relativement grand. Et bon, on est vraiment agréablement surpris, je crois, de le retrouver là où il est actuellement. Espérons qu'il puisse s'accrocher le plus longtemps possible. Bon, quant au départ de Mark Janssen, qui arrive maintenant, qui arrive sur le tarmac, donc il est aux environs 10e position,
Je crois que lui, il peut se permettre de rater quelque peu ce départ, parce que c'est un coureur qui en général est, n'est pas vraiment, l'encore vieux, je parle de Belgique, n'est pas vraiment très très pressé pour partir, pour mettre pour ouvrir le gaz à fond. Donc c'est un coureur qui doit trouver son rythme, et là, à partir du moment où il l'aura trouvé, je crois qu'il n'aura pas trop de difficultés de rentrer, à condition, bien sûr, que les premiers ne soient pas avec, déjà avec 30 ou 35 secondes d'avance. On a vu passer Pontoni à plus de 25 secondes, Van Der Poel à plus de 30 secondes, Groenendaal seulement, que vous voyez là à gauche de l'image. Et donc, laissons encore une chance à Mark Janssens, qui a raté son départ, au contraire des règles de Pontoni, mais qui revient, je veux dire, progressivement, qui est en train de faire pour le moment une course allant crescendo. Ce qui est certain, c'est qu'on a donc 6 hommes devant, 2 Suisses, en l'occurrence Wabel et Runkel, c'est les deux plus forts en principe. Il y a deux coureurs français, Arnoux et Magnin, et alors il y a Simunek et Verwecken. Et puis il y a un trou. Et un peu plus loin, on trouve Honegger, avec enfin un coureur néerlandais, qui est, je pense, Willem de Vos. Puis il y a Bramati. Et Mark Janssens qui revient pour le moment dans ce groupe avec un autre coureur néerlandais qui est justement Groenendaal, qui a fait un gros travail pour revenir. Kiotti est là aussi. Et puis seulement après, il faut aller voir Pontoni. Et dans ce groupe se trouve Van Zandvliet. Donc il n'y a déjà plus question de parler des règles, à mon avis. Van den Abbé, je le vois passer maintenant, l'autre Belge avec son casque jaune. Mais il est déjà très 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 attardé, Van den Abbé. Et puis je ne vois pas de Paul Herreyers et ni de Danny De Bie. Donc les deux Belges qui ont déjà été sacrés champions du monde dans la catégorie reine, puisque Janssens l'a aussi été, mais c'était chez les juniors, sont, je dirais pas qu'ils ont abandonné, mais en tout cas ils sont plus du tout dans le coup. Peut-être déjà qu'ils ont, renoncé après le premier tour. Ce qui est sûr, c'est que pour eux, le championnat du monde est déjà fini pour De Bie et pour Herreyers. On n'aura donc pas droit à ce doublé que plus personne n'a réalisé depuis Liboton, vainqueur en 83 à Birmingham et en 84 à Oss. Donc pas de doublé 11 ans après Liboton. On aura un 8e champion du monde différent en 8 ans. Ça, c'est pas dit. Ça va dépendre parce qu'il y a quand même des garçons comme Simunek ou comme Arnoux qui sont pour le moment des candidats à la victoire. Donc un beau groupe qui s'est dégagé devant et un premier tour qui déjà nous permet de faire un tri. Donc dans le groupe des favoris, Adrie Van Der Poel ne sera pas récompensé, ne gagnera pas. Ça m'étonnerait très fort, sauf un changement de situation énorme de Pontoni. Ça, c'est plus étonnant. Le parcours semble lui convenir. Pontoni prouve qu'il a du mal à supporter cette pression véritablement, avec les grands rendez-vous, mais depuis 3 ans, il ne parvient pas à y répondre présent. Par contre, on dit qu'un défonceur, cet homme-là, vous le reconnaissez, Dominique Arnoux, montre véritablement qu'il a les qualités d'audace nécessaires et indispensables pour gagner aujourd'hui. C'est juste qu'il ne faudra pas être uniquement bon dans la côte et dans la portion de plat. Il faudrait également être excellent dans les descentes, excellent pilote, excellent fonceur aussi, parce qu'il faut bien dire que si un coureur est un petit peu créatif dans une descente telle que c'est dans une descente telle qu'il y en a dans son parcours, c'est tout de suite à 50 mètres. Donc il faut être super pilote, il faut être fonceur et avoir un brin de chance également. Bon, maintenant pour revenir un petit peu à Herreyger, je pense quand même que bon, on doit le pardonner parce que vous interrompez une toute petite seconde et vous continuez votre raisonnement, mais c'est la course. Simunek et Magnin ne sont plus dans le groupe de tête pendant qu'on discutait, donc ils sont plus que 4, les deux Suisses, cet homme Arnoux et Verwecken. Vous pouvez continuer, mon cher Claudier. Donc je disais à propos d'Herreyers que bon, il devient champion du monde à plus de 30 ans. Bon, il n'est pas plus bête qu'un autre, je crois. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps devant lui, donc il a profité, il a été invité partout, il a fait le maximum de courses pour gagner le maximum d'argent, c'est simple, c'est aussi clair que cela. Et maintenant il est un petit peu effrité, bon, je crois que c'est tout à fait normal. Bon, en ce qui est de Bie, lui, il a eu beaucoup de problèmes de santé au début de saison. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, j'ai l'impression personnellement qu'il est un petit peu sur le déclin et ça s'est déjà amorcé il y a pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Donc là, c'est peut-être une logique qui est occupée de se passer. Voilà, en tout cas, on l'a vu. Voilà Radomir Simunek en difficulté. Il était très bien jusqu'ici. Et c'est Mark Janssens qui est dans sa roue avec Honegger et Pontoni. Le numéro 37 ensuite, c'est Kiotti. Voilà donc pour, disons qu'il y a un petit groupe de bons favoris qui se met derrière. Donc pour le moment, la situation est intéressante. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de tactique, hein, parce que c'est un parcours pareil. Nous avons donc ce quatuor qui est devant, les deux Suisses, Wabel Runkel, le Français Arnoux et Mark Van Zandvliet. Moi, j'avais vu Verwecken. Enfin bon, peut-être qu'avec toute la confusion, moi, j'étais convaincu que c'était Verwecken. C'est très facile à voir. Hein. De toute façon, Van Zandvliet est beaucoup plus grand. Et il a le numéro 14, Van Zandvliet, donc nous allons voir maintenant. En football, on dit faisons confiance à l'arbitre. Ici, on peut peut-être dire faisons confiance à la personne qui s'occupe de la surimpression d'image. Ce qui est sûr, c'est que le Belge a un petit peu de retard. Donc voilà Dominique Arnoux. Voilà Runkel. Runkel et Wabel qui confirment bien qu'ils sont les deux Suisses, hein, en forme. Wabel qui a fait
de la dernière course, comptant pour le Super Prestige à Wetzikon. Derrière Grunegda, dans des conditions à peu près similaires. Alors, ce serait vraiment 25 feet. Difficile à voir d'ici comme cela, pas possible de vous le dire. Moi, je ne crois pas, je crois personnellement que c'est Verwegen. Ah, on dit souvent qu'il faut se fier à sa première impression, mais enfin, l'erreur est toujours possible. Alors que vous voyez là, justement, Beat Wabel, un des quatre hommes de tête, ce coureur suisse, qui est né à Wetzikon, c'est-à-dire ici, juste à côté, il est vraiment du coin. Et Beat Wabel, qui a été champion du monde de cyclocross en 1985, c'était à Munich. Et vous le voyez, il a pris quelques mètres, Beat Wabel, champion du monde, donc il y a juste 10 ans chez les juniors. Ah, si, c'est Van Sanfleet, et bien voilà. Donc, un moment soit d'inattention, soit, c'est comment ça va, hein. Quand il y a des caméras fixes comme cela, il suffit qu'il y ait des choses qui se passent dans les sous-bois et qu'on s'en rende pas compte. C'est effectivement bien Van Sanfleet qui nous étonne. C'est que Van Sanfleet est de loin, on dit que c'est un as à pied, mais on avait des doutes quant à ses qualités, ses capacités à passer des bosses, et il y en a beaucoup, et visiblement, ici, il est en train d'étonner Van Sanfleet, et en tout cas de justifier plus que jamais sa sélection. Il est le seul Belge à venir à suivre. Et donc, petit avantage pour le moment pour Beat Wabel. Et il y a un coup intéressant à jouer aussi pour les Suisses qui ont un rhume que l'on peut être en position d'attente. Et maintenant, c'est à Dominique Arnoux, en tout cas, à faire le gros du travail. Et le poids de la course repose un petit peu sur Arnoux. Mais on dirait quand même que ça revient un petit peu derrière. Il sera très intéressant. Regardez Pontoni en bas de l'image. Les grands favoris ne se sentent pas encore battus. Il est intéressant de voir ce que des Pontoni, Simon et Kioti et Marc Janssen peuvent faire ensemble. La course est loin d'être jouée. Il y a donc deux groupes, le groupe de tête et un groupe des favoris qui y croient encore, je dirais. Moi, je crois que le fait que Wabel soit occupé de faire une petite différence, c'est surtout dû au fait que derrière, ça se regarde un petit peu, justement, parce qu'il y a quelques coureurs intéressants, des gros qualifs qui sont occupés de frapper. Et c'est peut-être ce qui explique cela. Mais bon, c'est à des coureurs comme Janssen se profiter du moment pour justement rentrer, pour faire l'effort, pour boucher le pays. Un très très gros travail d'un coureur néerlandais. Je me demande si c'est pas Groenendaal qui est en train de faire ce travail formidable. Attention, le vice-champion du monde. Il a gagné, je vous l'ai dit, à Wetzikon sur un circuit à peu près similaire à celui-ci. Alors, très technique la descente, vous la voyez. Beat Wabel. Qui a été vice-champion suisse cette année. Vice-champion suisse en titre. Et qui était son meilleur classement dans une épreuve de Coupe du Monde, de championnat du monde professionnel, quatrième, c'est à Leeds. Il y a de ça déjà 3 ans, lorsque Mike Klug est devenu champion du monde. Il avait donc échoué de peu, monté sur le podium. Donc on va passer là sous le chapiteau, ce sont les 30 mètres là plus loin, ou que je dirais indoor. Je ne sais pas si on a vraiment l'occasion de se réchauffer là-dessus. Et donc, on fera le point, puisqu'à la sortie de ce passage-là, il y aura encore 700 mètres. Et les coureurs vont finir avec le deuxième tour, et donc on pourra faire le point avec cet homme, Beat Wabel. Légèrement détaché, le voici sous le chapiteau. Immédiatement suivi par son équipier, et une belle course suisse. Et voilà Richard Groenendaal qui fait un gros travail avec ses maniens, je pense, qui est revenu. Je me demande si c'est pas lui, ou Arnoux. Toujours Arnoux. Vous savez, tactiquement, jusqu'à présent, les Suisses sont vraiment très bien enlevés. Je crois que le départ vraiment Tony Truant de Donecker était programmé parce qu'il savait très bien qu'en prenant un départ tel que celui-là, que Ereger s'était pris à la gauche et que lui, quand il l'a au travers de la gauche, c'était terminé pour lui. Et là, maintenant, ils sont occupés de bien manœuvrer les deux. Espérons que, qu'ils puissent limiter la casserole. Intéressant, donc je le dis, le retour de Richard Groenendaal, qui était complètement enfermé et qui, là, il faut être costaud. Il l'est pour être revenu comme ça. Et ça, c'est un client. Donc, les deux Suisses, avec Wabel et Runkel. Et puis un trio, Dominique Arnoux, Richard Groenendaal et Van Sanfleet. Voilà le trio qui suit. Non, c'était pas. C'était. On l'avait bien vu, c'est donc Magnin. Voilà Arnoux. Arnoux doit se trouver ici. Le voici Arnoux qui passe. Avec Pontoni qui revient sur Arnoux. Ça, c'est les hommes qui veulent encore y croire. Et puis Kioti, Simunek, Janssen, mais j'ai quand même l'impression qu'il a du mal. Et Adrie Van Der Poel qui essaie de revenir, oui. Et puis pour les autres, ben, je dirais, oui, certes, encore Onegger, mais je pense que ceux-là, ils peuvent déjà oublier. Donc, il y a encore un groupe.
Il y a encore des gens qui peuvent y croire. C'est le cas de Marky Hansen, c'est le cas de Pontoni, de Simunek, mais peut-être aussi d'Adrie Van Der Poel, pourquoi pas, qui se connaît bien, qui n'a pas voulu peut-être faire l'effort qu'il aurait mis dans le rouge au départ. Ce qui est certain, c'est donc qu'il y a quelques mètres d'avance pour ce duo. Et maintenant, il y a Richard Groenendaal. Vous ne voyez pas cette image, vous l'avez vu arriver à droite, qui vient de lâcher complètement Van Sanvliet et Magnin, et qui essaie tout seul de revenir sur les deux Suisses. Et puis il y a un petit trou. Donc le point de la situation, les deux Suisses en tête, Groenendaal tout seul, puis le Belge Van Sanvliet avec Magnin. Ensuite, un petit trou, on trouve Arnoux, Pontoni, Van Der Poel, Chiotti, Simunek, Janssens et Honegger. Le champion du monde figure parmi ces coureurs-là. Je crois que c'est clair. Après, il y a un espace beaucoup, beaucoup trop important. C'est le point de la situation. Ces coureurs que je viens de vous citer sont ceux qui vont se battre maintenant pour le titre mondial. Voilà donc le gros travail de la part de ces coureurs suisses. Wabel, Runkel. Et regardez derrière, Groenendaal en puissance. Richard, le fils de Rein Groenendaal, battu, vous vous souvenez de cette image, dans les dunes de Coxy l'année passée par Ereger. Et derrière, Van Sanvliet qui s'accroche dans la roue de Emmanuel Magnin, le Français. Je me trompe peut-être, mais je trouve que Janssen a vraiment un coup de pédale très léger. Moi, je crois que Janssen c'est dans un bon jour. Je vais pas, on va pas s'en plaindre, hein, parce que s'il est dans un bon jour, comme on dit, c'est souvent tout ou rien. Son talent est absolument indéniable, alors que les deux autres Belges, en fait, Verwecken et Van den Abel, passent seulement maintenant. Donc très 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 attardé pour eux aussi, les espoirs s'envolent. Donc Janssen et surtout cet homme que vous voyez là de dos, Van Sanvliet, les deux espoirs de notre nation belge, mais pour le moment un superbe travail de la part des coureurs suisses. Donc on a eu droit dans un premier temps à une attaque d'équipe des Français avec Arnoux et Magnin, mais ça n'a pas duré longtemps. La réponse de l'équipe suisse a été importante, et donc après que Wabel est mené de manière considérable, voici maintenant que Runkel est revenu et a pris le relais, et c'est lui maintenant, Runkel, qui essaye de faire la différence, tandis que Wabel attend, et à tour de rôle donc les coureurs suisses éprouvent véritablement l'organisme de leurs adversaires, et c'est donc Richard Groenendaal qui fait le gros du travail, le voici, et qui tente de revenir sur les deux coureurs suisses qui le précèdent en ce moment. N'oublions pas que Runkel, qui est en tête, est le champion de Suisse en titre, celui qui a gagné dans d'autres conditions, hein, dans la neige à Saffenwil. Il a gagné 8 fois cette saison, Runkel. Et voilà Beat Breuil. Eh bien, très loin derrière, nos amis suisses veulent vous montrer le doyen, l'homme qui a gagné 2 tours de Suisse, Beat Breuil, qui est donc là. Mais retour sur l'homme de tête, Runkel, qui sur la route l'année passée dans l'équipe de Haas, il y a 2 ans, 1993, est classé 10e et meilleur néo-professionnel de la classique des Alpes, ça veut dire qu'il grimpe drôlement bien. Et il a disputé et terminé le Tour de France, même si c'était à une modeste 131e place, l'ancien vainqueur du Grand Prix Guillaume Tell. Ceux qui suivent les courses amateurs savent que c'est une belle référence chez les amateurs. C'est en 1992, il a notamment gagné contre la montre en côte, donc c'est un très bon grimpeur. Dieter Runkel, qui nous vient du canton voisin d'ici, hein, de Zurich, c'est pratiquement régional de l'étape. Et il a donc remporté il y a quelques semaines son 4e titre national de cyclocross. Il a été une fois chez les juniors et 2 fois chez les amateurs. Et son meilleur résultat dans un mondial, c'est donc une 2e place à Leeds derrière Pontoni dans le mondial amateur de 1992. Voilà pour vous présenter ce Dieter Runkel, un athlète assez fin. Champion éclectique, je vous le disais, puisqu'il a fait beaucoup de routes également. Et mon excellent confrère français, Pierre Chani, le comparait à Charlie Cole sur un vélo. C'est un magnifique compliment. Et donc, c'est parce que Haas n'a pas voulu, faire en sorte que son contrat soit renouvelé, que Runkel a abandonné donc contraint et forcé la route, et s'est consacré à 100% au cyclocross. Pour le moment, ça lui réussit. Voilà, néanmoins, Richard Groenendaal, méfiance. Champion du monde chez les juniors en 1989 à Pontchâteau et vice-champion du monde Open l'année dernière à Coxy. Attention, Richard Groenendaal, pour un titre que les Néerlandais attendent, puisqu'il n'y a jamais que 2 Hollandais qui ont gagné le championnat du monde dans la catégorie reine. Stam Snyder en 81 et Ingvar Sagetjo en 1990. Les écarts minimes, 7 secondes pour Wabel et 11 pour Groenendaal. Groenendaal qui est un habitué des gros braquets, hein.
Oui, mais c'est un coureur, on voit, il n'est pas tellement grand, il est maigre, il doit peser un petit 60 kg. Donc ici, il a certainement l'avantage par rapport à un coureur comme Van der Poel qui mesure peut-être 30 cm en plus, donc qui est également un petit peu plus lourd. Donc de cette façon-là, c'est beaucoup plus simple pour lui. Ici, on voit quelque chose de technique, on voit ses freins, il a mis ses poignées de frein vraiment au-dessus du guidon, c'est vraiment très particulier. Je n'avais jamais vu ça encore en cyclocross, et surtout, il a monté un guidon comme si c'était un mountain bike. Hein. Alors, Groenendaal revient sur Wabel. C'est intéressant parce qu'à mon avis, Wabel ne va pas vouloir travailler du tout. Et c'est encore un Groenendaal de faire le gros effort. Et aussi techniquement, bah oui, on peut le souligner, Groenendaal qui a opté pour des roues à bâton à l'avant et à l'arrière. C'est un des rares, j'en ai vu un ou deux ce matin chez les juniors, notamment les Anglais. Mais disons que dans l'absolu, on utilise souvent un matériel assez classique. Je me souviens par exemple l'année dernière, mais les conditions étaient totalement différentes. Ici c'est de la boue, là-bas c'est à peu près des dunes, c'était du sable. Et Rager savait utiliser des boyaux de 35 mm de section. Ils étaient gonflés à 5,5 kg de pression. Et il avait un braquet de 46-13 qui était évidemment l'idéal parce que ça le rendait très nerveux dans le sable et ça lui avait bien réussi. Mais il est clair que là aussi le choix du braquet est quand même très important aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment un braquet de grande étape de montagne en Tour de France. Il faut certainement du 42, 23, 24 parce que le radar qui est ici juste en face de nous, donc juste ce qui succède à la ligne d'arrivée, est vraiment très impressionnant. Donc là, certainement à 24, peut-être même pour certains à 25. Mais bon, ce qu'il y a au point de vue pression, là, je crois que c'est également environ de 5 kg, 5 kg parce que la boue, tout comme le sable, est quand même relativement souple. Donc pour avoir vraiment de l'adhérence, il faut que le boyau soit gonflé au minimum. Il y a certainement des stuts très performants aussi pour adhérer, pour pouvoir mettre la pression aussi sur les voies arrière. Et tandis que les poursuivants abordent l'escalier, voici déjà l'homme de tête dans cette première partie de descente. Vous voyez, très attentif, il faut être un excellent pilote, là, regardez. On a plutôt tendance à partir sur la droite, il faut éviter de rentrer dans les panneaux publicitaires, alors qu'on nous annonce officiellement l'abandon de Paul Ehrenreich, ce champion du monde. L'ex-champion du monde, dira-t-on. Dans la même portion de terrain, vous voyez donc, là aussi, il vaut mieux pas suivre quand même le coureur qui vous précède de trop près. Hein. Ce serait avoir de mauvaises surprises, au cas où il y aurait une erreur de pilotage de l'homme qui est devant vous. Donc maintenant, on va voir avec les poursuivants la deuxième partie de la descente. C'est vraiment la plus délicate, même si la caméra placée là ne vous permet pas de bien vous rendre compte. Le pourcentage de cette descente, c'est 60%. Descente à 60%. Alors qu'on vous montre là la descente. Regardez comme les bras travaillent. C'est très net. Hein. Mais ce frein, c'est vraiment très particulier. On voit qu'il a ses freins au-dessus du guidon. Là. Enfin, une deuxième paire de freins. Vous savez, en fait, ce qu'il y a du matériel, bon, en cyclocross, le cadre est plus long pour permettre l'évacuation de la boue aux fourches arrière, aux fourches avant. Bon, l'axe est un petit peu surélevé également par rapport au sol, par rapport à un autre vélo, parce que pour avoir ma prise avec le sol quand il y a des bosses et tout, pour ne pas rester pendu, comme on dit, sur une bosse. Et c'est ce qu'il y a comme grande différence. Les freins sont également ouverts avec tirage central, pour une fois encore, pour permettre l'évacuation de la boue. Et à part ça, il n'y a pas vraiment de révolution. Bon, les pédales également qui peuvent se fixer, que ce soit par au-dessus ou par en-dessous, il y a ce qu'il faut pour que le pied reste fixé. Ça, c'est vraiment une des toutes grandes nouveautés qui a apporté beaucoup de choses en cette saison. La fin du troisième tour, Claudie, il a augmenté son avantage, Dieter Runkel, c'est important. Et comme on pouvait s'en douter, c'est à Groenendaal à faire le travail. Et donc, sur cette portion-ci, Wabel se dit, là, on joue vraiment le jeu d'équipe à fond, et Groenendaal qui travaille, mais si c'est pour être à nouveau deuxième comme l'année dernière, il faut prendre le relais de Van der Poel. Regardez le beau travail de Van Van Vliet derrière, c'est intéressant, c'est bien ce qu'il nous fait là, il est quatrième et il devance donc un groupe de grands favoris, je vais dire en sursis. C'est quatre hommes qui peuvent peut-être encore y croire, emmenés par l'éternel Adrie Van der Poel. Ah, quel courage, quelle motivation. Van der Poel, Pontoni. Et alors Arnoux et Magnin, je pense. Non, c'est Chiotti. Et Arnoux. Et puis voilà que passe maintenant Honegger avec Magnin. Et donc plus de Mark Janssens. Il est là, Mark Janssens, il a perdu. Pour lui, c'est terminé. Voilà un trio de battus. Et Radomir Simunek et Mark Janssens, deux
grand candidat à la victoire. Radomir Simulek, 6 fois médaillé dans une épreuve de cyclocross, une épreuve mondiale. Et donc à 3 tours de la fin, on peut vous annoncer qu'après Ereigers, qu'après Dani Deby, bien entendu, qu'après Verwecken, qu'après un Jernis, par exemple, qu'on n'a jamais vu, c'est maintenant au tour de Simulek et de Janssens de perdre toute chance de devenir champion du monde. Donc le point de la situation, alors qu'il reste moins de 3 tours, en tête cet homme, le Suisse Runkel, qui a parfaitement profité du travail initial de Honegger et ensuite de celui de Wabel, qui l'a vraiment propulsé vers l'avant et qui compte, vous le voyez déjà maintenant, 19 secondes d'avance sur un duo composé du néerlandais Groenendaal et de Wabel en position d'attente. Déjà encore plus loin, le Van Sanvliet, qui fait une remarquable course. Van Sanvliet en 4e position. Et puis il y a un petit trou avec encore 4 coureurs que j'associerai, 4 candidats peut-être encore au podium. Van der Poel, Pantoni, Chiotti et Magnin. On oublie tous les autres, ça nous fait donc 8 coureurs pour un podium et pour moins de 3 tours. L'explication va maintenant commencer. La question pour Runkel, est-il suffisamment costaud pour tenir sur un terrain aussi lourd? Ce matin chez les Espoirs, dans une situation similaire, on avait vu le Français Martinez qui n'avait pas pu tenir jusqu'au bout. Donc il faut absolument pouvoir doser ses efforts et conserver surtout une énorme lucidité. Car je pense, Claudie, que sur un circuit pareil, c'est bien clair, le moindre moment d'inattention, et c'est la chute et c'est sans doute les espoirs qui s'envolent. Le moindre moment d'inattention, bien sûr, mais également si vous présentez ici au départ à 99% de conditions, eh bien, on le voit ici aussi, on voit des types comme Simonet qui ont superbement marché, des types comme Pantoni qui ont également superbement marché jusqu'au week-end passé. Et ici, bon, ils se sont peut-être fait un petit peu piéger au départ, puisque le départ était vraiment très très rapide. Mais quand même, ils ne parviennent pas à rentrer, ils restent un petit peu sur leur position. Et là, on voit qu'il manque un petit quelque chose, et que bon, ils ne sont pas à 100% tout simplement. Tout simplement, et oui. De toute façon, Runkel, ce qu'il fait actuellement, il s'est un petit peu obligé, il s'est mis dans une situation lui-même très délicate, puisque le journaliste suisse se moquait même un petit peu de lui, parce qu'il n'y croyait pas tellement au titre éventuel de Runkel, puisqu'il avait annoncé lui-même haut et fort qu'il était le futur champion du monde. Et les Suisses disent, bon, c'est un coureur, d'accord, qui est peut-être un candidat au podium, mais certainement pas un candidat au titre, parce qu'il a gagné 8 crosses cette année, et tous les 8 sur le territoire suisse, donc il ne sait pas s'il passe trop. Et il fait surtout de belles choses chez lui. Attention, Richard Groenendaal. Et on voit pour le moment l'écart est en train de se stabiliser. Après, dans un premier temps, Runkel est augmenté son avantage. Regardez, Van Sanvliet repris par Van der Poel. Donc Groenendaal, Wabel à 20 secondes et 20 bonnes secondes plus loin, un autre duo avec le Belge, je dirais, de ce championnat du monde pour le moment. Et Adrie Van der Poel, qui ne savoura décidément jamais vaincu. Même une 5e place, même une 4e place, eh bien, il veut y aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment une nouvelle démonstration de courage qu'il nous offre aujourd'hui. Je crois qu'il faut le féliciter parce que, bon, lui, il le savait au départ, dès le départ, dès le moment où il a découvert le parcours. Oui, Groenendaal a lâché Wabel, c'est important dans le contexte de la suite de la course. Van der Poel savait que c'était vraiment pas un parcours qui lui convenait, mais il se bat quand même jusqu'au bout. C'est un coureur qui, malgré son âge, a encore envie de se battre, de se faire mal et de faire des résultats. C'est formidable. Vous le voyez donc, Groenendaal a décidé maintenant de jouer son bateau et peut-être d'essayer de faire ici, à Eschenbach, un petit peu ce que Reigers avait fait. Lui se trouvant dans le rôle de l'homme qui était devant actuellement à Coxide. Mais c'est de revenir tout seul. Et pour le moment, Wabel s'accroche. Mais sur cette image, on peut se tromper, car ces hommes ont des facultés de récupération tout à fait étonnantes. Il semble quand même que Wabel soit un petit peu plus court. On le voit, il a l'air un petit peu plus raide, un petit peu plus lourd que Groenendaal quand il court. Et ça ne trompe pas. Je crois que même si on n'est pas connaisseur en cyclocross, on se rend vraiment très très vite compte quand un coureur est occupé de coincer. Et il suffit de dire ça, il revient quand même, ah oui, à la perspective de monter à 2 sur le podium. Et c'est quand même amusant, ce Groenendaal est pris vraiment comme dans un étau. On se souvient de l'image de l'année dernière. Il y avait devant lui Paul Ereigers, derrière lui Erwin Verwecken, et lui était en numéro 2. On était en Belgique. Cette année, 12 mois plus tard, on est en Suisse, et il a de nouveau un Suisse devant et un Suisse derrière. Richard Groenendaal, que vous voyez
vous allez sans doute voir maintenant derrière Hunkel. Et voilà. Ce qui me déçoit un petit peu, on l'a pas encore vu tellement, enfin on l'a pas du tout vu à son avantage, encore c'est Chiotti. Bon, le Français nous parlait de lui bien fort, qu'ils étaient déjà champions du monde. Ah, je dois vous dire qu'on a même entendu parler que de ça. Voilà, justement, donc pour le moment, moi je crois qu'il est occupé de... Enfin non, il n'est pas occupé de réussir sa course, en tout cas, je crois qu'il va avoir beaucoup de déçus. Hunkel qui continue à parfaitement bien maîtriser son sujet. Et donc, je répète, son meilleur résultat dans un mondial, il y a 3 ans à Leeds, chez les amateurs, battu par le seul Pontoni. Il est le champion de Suisse en titre. Et puis derrière, le duo Groenendaal-Wabel, le duo que vous voyez là. Je vous ai à peu près dit tout ce qu'il fallait sur Beat Wabel. Ses pulsations vont de 42 au repos à 140. Et c'est un adepte aussi du vélo tout terrain, il y en a beaucoup. Hein. Et Wabel, ben son point fort c'est la boue, dans la boue c'est un as. Mais il lui manque un petit quelque chose pour le moment par rapport à Hunkel et la bataille est intéressante. Chaque fois sur certaines portions où la puissance peut travailler, et puissance et technique, regardez, cet endroit c'est très net. Groenendaal continue sur le vélo tandis que Wabel va à pied. Ça à la longue. On peut peut-être un peu essayer d'expliquer cela physiquement, Claudie. Pour les non-adeptes du cyclocross, ceux qui regardent cela occasionnellement, il est clair qu'on se prépare tout à fait différemment, sauf qu'on reste tout le temps pendant 7 ou 8 heures sur un vélo. Nous sommes pendant une heure, on doit tantôt être sur le vélo et tantôt à pied. Les muscles à travailler sont différents et travaillent de manière différente. Tout à fait. Bon, le cross cycliste, je dis bien cycliste à proprement dit, ça veut dire 5 heures, 6 heures de vélo par jour, bon, ou même le cyclotouriste qui fait de... Il fait ses 2 heures le dimanche. Il a également les muscles plus courts qu'une personne qui ne fait pas de sport. Bon, contrairement à cela, les joueurs de football ou d'athlétisme, eux, ont les muscles beaucoup plus longs, donc beaucoup plus étirés. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu quelque chose de spécial pour le cyclocross même, parce que eux, on peut se poser la question comment sont leurs muscles, parce qu'on voit ici sur un seul parcours, ils courent autant que sur une pédale. Donc ils font l'entraînement, tout simplement, un jour ils font du vélo, le lendemain ils font du footing, et c'est la seule façon, je crois, pour se préparer valablement à ce genre de choses. Et donc systématiquement, descendre de vélo, mais à la longue, ça épuise considérablement, ça tire sur les muscles, et c'est vrai que parfois, c'est pas le fait de faire 10 mètres en plus qu'un autre sur le vélo qui est intéressant, mais c'est cette répétition sur le nombre de tours qui fait que peut-être, quand on a les différences de quelques secondes à l'arrivée, on peut aller peut-être chercher ces secondes là-bas. Attention, parce que Hunkel, moi j'ai l'impression qu'il va de plus en plus vite, qu'il trouve de mieux en mieux ses marques sur ce circuit. Inutile de vous dire qu'il est follement encouragé, je répète qu'on évalue le public à environ 30 000 personnes ici, sur l'ensemble du parcours, c'est absolument affolant. Le cross, c'est vraiment plus qu'une tradition, hein. C'est une passion dans cette région de la Suisse, alémanique. Et Hunkel qui va franchir une nouvelle fois cette ligne d'arrivée. On va pouvoir vous faire un point précis de la situation. Donc, Hunkel a 2 tours de l'arrivée. Et puis la situation est exactement la même qu'au tour précédent. C'est-à-dire que c'est toujours Groenendaal et Wabel qui suivent. Si ce n'est que l'écart est plus important et que j'ai pas l'impression qu'un de ces deux hommes soit en mesure de revenir, et que le seul salut, peut-être le seul espoir de salut pour Groenendaal ou pour Wabel serait un véritable moment de très très difficile, disons, pour Hunkel. Il faudrait celui-ci coince véritablement pour être repris, car regardez, pour le moment il n'en donne absolument pas l'impression, il est très très sûr de lui et il maîtrise admirablement bien son sujet. Et les écarts sont vraiment très 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 importants. De toute façon, coincé, c'est vrai qu'il peut toujours coincer, mais donc, si on se souvient bien dans les derniers coccyxes, bon, c'est Groenendaal qui a coincé un petit peu, et c'est ce qui a permis le retour de Rengers. Donc je crois qu'à ce niveau aussi de la course, bon, s'il arrive le prochain tour avec 35 secondes encore d'avance, 30 ou 35 secondes d'avance, ben, je crois qu'il aura course gagnée. Et Van Sanflit, à qui on va rendre hommage, qui devance Van Der Poel, Arnoux, Honegger, Chiotti, Magnin. Donc les 3 Français et l'homme qui a définitivement lâché prise, le nouveau coureur qu'on mettra hors course au terme de ce tour-ci, c'est Pontoni, fini pour l'Italien également. Donc bravo à Van Sanflit. Vous voyez les écarts, 6
secondes d'avance pour Groenendaal qui essaie de produire un dernier effort maintenant. Quand je dis dernier, non, il lui reste deux tours, mais maintenant vraiment essaie de doser au mieux ses efforts pour tenter de revenir. En tout cas, Peter Van Zandvliet est en ce moment quatrième, fait une course de toute beauté. Il devance donc ce qui reste des favoris, le peloton Van Der Poel, Honegger et les trois Français ensemble, Ciotti, Arnoux et Magnin. Ça, c'est le point de la situation. Un groupe donc de six hommes emmenés par Van Zandvliet et qui se forme juste derrière Groenendaal et Wabel, eux-mêmes lancés à la poursuite de Runkel. Donc un homme seul en tête, deux hommes en poursuite et puis un groupe de six et les autres on oublie. Et donc un hommage à Peter Van Zandvliet, le meilleur Belge aujourd'hui. Il est relativement jeune, hein, puisque Van Zandvliet aura 26 ans au mois de mai. Il est anversois, il vit à Hoogeveen. Et c'est donc sa toute première participation au championnat du monde. Il ne compte pas encore un seul succès. Et on dit qu'il est le Belge le plus à l'aise à pied. Donc, ben oui. Ça, vous diront peut-être qu'avec Vincent Rousseau, on aurait fait une médaille. Mais il faudra quand même prouver que Vincent aurait pu monter des parties sur le vélo. C'est vrai que, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut courir à pas mal d'endroits. Mais il y a surtout ces casse-pattes, je crois, ces murs en terre battue qui font vraiment très, très mal aussi. Et c'est là, s'il avait eu un petit peu plus de possibilités sur cette portion bien précise, il aurait pu limiter encore beaucoup mieux les dégâts. Hein. Malheureusement pour nous, bon, il fait ce qu'il peut. Ah, c'est très encourageant. C'est le premier grand rendez-vous à ce niveau-ci de la compétition. Un niveau aussi élevé pour lui. Et c'est de toute façon très encourageant pour l'avenir. Vous voyez là, la trajectoire de ce coureur qui est autrement moins bonne que celle de Runkel. Mais ici, on vous montre Wabel en troisième position. Et donc pour le moment, une course vraiment parfaite des Suisses. Alors le passage super spectaculaire, le voici. Juste après ce petit pont en bois. Ce mur de 62% d'inclinaison. Et regardez, je vous le dis, c'est comme un alpiniste. Il faut pouvoir... Vous pouvez voir ses yeux, il regarde où il met ses pieds pour essayer de ne pas enfoncer son pied là où le trou est trop important et où il se retrouvait avec de la boue jusqu'au-dessus de la cheville. Et alors ici c'est très dur parce que donc il y a un effort très 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 important qui a été fait au niveau des muscles des cuisses et puis il faut remonter sur le vélo et ça continue à monter et là les mollets doivent en prendre un fameux coup. Non mais justement, surtout on parlait des muscles tout à l'heure, là, les muscles étaient bien tendus et il faut essayer de les raccourcir au minimum sur cette portion de terre battue. Et c'est là que ça fait vraiment très mal aux gens. Et bon, on peut s'imaginer aussi les pulsations où elles en sont. Là. Essayez de monter l'escalier chez vous en courant et après, en haut du palier, vous montez sur le vélo. Vous allez vous rendre compte que c'est en plaisant. Donc c'est clair, Groenendaal qui limite l'écart. Alors, je dirais que l'écart est resté stabilisé, mais c'est Wabel maintenant qui est en difficulté. Et c'est lui qui perd du terrain. Alors c'est peut-être intéressant pour le groupe de Van Zandvliet. Il y a encore une médaille de bronze à attribuer aussi. Alors le groupe, je le répète, est composé outre de Van Zandvliet, de Van Der Poel, d'un autre Suisse, Honegger, l'homme qui avait lancé, je dirais, l'offensive, la grande offensive suisse. Pas si neutre que ça. Et puis alors, il y a le trio français. Ciotti, Magnin, Arnoux, décevant parce que le début de course laissait vraiment présager d'une course d'équipe étonnante. Et on se souvient, dès le premier tour, la manière dont Arnoux et Magnin ont pris les devants, eh bien, je ne sais pas s'ils ont présumé de leur force, après ils n'ont pas été capables de continuer sur ce rythme-là. Et pour le moment, la course démontre les plus forts sont les Suisses, incarnés par cet homme, Runkel, qui, dans cette boue qu'aimait en tout cas tellement Pascal Richard, va peut-être succéder justement à Richard, dernier champion du monde suisse dans la catégorie reine. C'était en 1988. C'était aussi la dernière fois que ces championnats étaient organisés en Suisse. C'était à Hagendorf, dans des conditions plus ou moins, je dirais, similaires à celle-ci. On vous montre Pontoni, une des déceptions. Les grands noms, puisque Pontoni a quand même gagné la Coupe du Monde, n'oublions pas cette année, vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur d'épreuve du Super Précis. Claudie, de manière plus générale, en admettant que Runkel devienne champion du monde aujourd'hui, il y a vraiment une tendance qui devient de plus en plus étonnante. Hein. On ne peut plus, dans le cyclocross, briller toute la saison dans le Super Précis dans la Coupe du Monde et être au sommet de sa forme en fin de saison, on y est maintenant, de cyclocross. On a eu Dominique Arnoux, qui est devenu champion du monde à Korova, un an après Klug à Litz. On a eu Paul Ehrig, chaque fois un petit peu dans les mêmes conditions. Ce ne sont pas des hommes qui sortent
vainqueur des Super Prestige ou de la Coupe du Monde. Dans Super Prestige, Simulek a dominé. Dans la Coupe du Monde, c'est Pontoni. Simulek, Pontoni, Groenendaal et Van der Poel sont les quatre hommes qui ont le plus dominé le cyclocross, je dirais, sur l'ensemble de la saison. On peut y ajouter Reijers et Janssen. Aucun de ceux-là ne sont dans le coup. C'est quand même une indication. Oui, vous savez, vous prenez le cas du cyclisme sur route, c'est exactement pareil. Hein. Le vainqueur de la Coupe du Monde n'est pas spécialement le champion du monde non plus, parce qu'il bon, y a vraiment tellement de courses qui se disputent durant la saison. Il y a la Coupe du Monde, il y a plus les autres courses, même des plus petites courses où ça fait vraiment beaucoup. Et là, les coureurs ont tendance à aller, il n'y a pas de classement de quoi que ce soit, mais là, ça rapporte vraiment beaucoup d'argent. Donc, mais ils doivent rester pour leur argent, pour leur valeur. Donc là, les coureurs ont tendance à vraiment y aller aussi, à faire de gros efforts. Et en fin de saison, ben, c'est terminé, ils sont cuits, les batteries sont vides et on voit ce qui se passe actuellement. Bon, ce qui est du cas de Pontoni, bien précisément, on l'a déjà marqué depuis 2 ans. Bon, quand on l'attend vraiment, Pontoni n'y est pas. Je crois qu'il y a un problème, surtout qu'il a du mal à supporter la pression et que lui, il faut le laisser vraiment tranquille, le laisser faire les courses comme il a envie de le faire et ne pas mettre la pression de la presse ou de la TV sur le dos. Donc il doit courir relax. Et là, champion du monde, le courir relax, c'est impossible. Voilà, c'est ça, c'est vrai. D'ailleurs, Pontoni est peut-être intrinsèquement le plus doué de tous, et surtout sur un parcours comme celui-ci. Il a toujours ce style immobile, je dirais, dans la boue, mais il est fébrile, il craque quand le rythme est trop élevé. Ça, c'est de nouveau produit aujourd'hui. C'est vrai que Pontoni, c'est un personnage quand même très étonnant. Il est déjà son propre entraîneur, ce qui n'est pas courant, et c'est un homme de coup de tête. Hein. On le compare un peu à Chiappucci, mais je dirais en plus fort encore. Vous savez que le lendemain de son service militaire, il a décidé d'arrêter pendant 4 ans la compétition. Il est devenu garçon de café. Et puis il s'est dit, mais finalement, j'étais quand même pas mal sur mon vélo. Il est remis sur son vélo. Il est devenu champion du monde amateur de cyclocross. Et donc maintenant, il a gagné la Coupe du Monde, la deuxième édition de la Coupe du Monde, et a succédé à Herreger. Donc ça, c'est pour la petite histoire des grands champions. Mais donc, je dirais que d'une manière générale, en admettant que Vabel, alors qu'il y a une chute juste derrière Groenendaal, je pense, en admettant que Vabel n'a pas non plus vraiment beaucoup participé aux épreuves Super Prestige, eh bien, Groenendaal est le seul coureur susceptible pour le moment de monter sur le podium et à avoir d'une certaine manière déjà un petit peu brillé cette année parce qu'il a gagné à Wissicon. Et encore, je dirais que Groenendaal a évolué de manière assez intéressante parce qu'il n'était pas au top au niveau de la saison. Et Wissicon, c'est la dernière épreuve justement du Super Prestige. Donc il a su bien doser et peut-être plus qu'un Herreger soit un Janssen, s'il est venu en tête, en forme en tout cas, plus sur la fin de sa saison. Voilà donc Groenendaal en poursuite, une image qu'on a déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois. Et Groenendaal lancé derrière Runkel pour essayer d'offrir aux Pays-Bas cette médaille d'or attendue depuis Engbars en 1990 dans le passage sous le chapiteau. Et on va bientôt arriver à un tour de la fin. Vous savez, ce qu'il y a peut-être comme explication également, c'est surtout dû au fait, enfin en partie en tout cas, dû au fait qu'il n'y ait plus un Eric de Vlaming qui domine tout de la tête et des épaules, ou un Roland Liboton également, qui dominait vraiment sa génération, qui était vraiment au-dessus de tout le lot. Et là maintenant, je crois qu'on a toute une série de coureurs, une dizaine de coureurs qui se valent plus ou moins, et c'est celui qui est dans le meilleur jour, ce jour-là, qui fait les bonnes choses. Quoi. Mais c'est vrai aussi que Runkel, je crois personnellement, a basé sa saison complète sur ce championnat du monde. Groenendaal battu au championnat des Pays-Bas par Van der Poel. Mais il a été 7 fois champion des Pays-Bas sur toutes les catégories confondues, débutants, juniors, amateurs. C'est vous dire, il a 23 ans, très jeune, originaire de Sint-Michielsgestel. Et vous voyez qu'il n'a pas réduit l'écart. Donc Groenendaal ne devrait pas inquiéter en principe Runkel dans ce dernier tour. Net avantage de 35 secondes environ pour Runkel sur Groenendaal. Vabel, par contre, est beaucoup plus près du Néerlandais. Celui-ci n'est de l'homme de tête. Et on va voir où est notre Belge. Là, dans le fond. Et c'est lui qui est là. Regardez, il a un casque jaune. Il est bien plié sur sa machine. Vous oubliez le maillot vert, là, c'est vraiment un doublé. Van der Poel derrière Van Sandvliet. Et c'est, je pense, Onegger qui emmène. Donc, je pense que ça va être difficile encore de revenir pour le podium. En tout cas, Onegger emmène. Ah, c'est dommage que le réalisateur nous empêche de voir cela. Onegger, Van Sandvliet et Van der Poel. Le trio, les Français ont complètement explosé dans cet avant-dernier tour. Plus de Français dans les
six premiers. Voici seulement maintenant le premier, Dominique Arnoux, le champion du monde de Corova, qui passe en septième position. On va par là qu'une course n'est jamais gagnée, on va la disputer. Et voilà les deux autres Français, qui Ciotti et Magnin, qui semblent avoir bien du mal. Et voilà seulement Pontoni maintenant. Pontoni, Simunek, peut-être les deux hommes qui ont le plus dominé le cyclocross cette saison et qui essuient une très lourde défaite cet après-midi ici à Eschenbach. Où je dirais, il n'y a pas, peut-être pas exactement 30 000, mais environ certainement au-delà de 20 000 personnes ici, sans aucun doute. Pas facile comme ça d'évaluer, mais certainement minimum 20 000. Et acclamé, follement acclamé dans ce que je n'ai pas appelé un dernier tour, mais sauf catastrophe dans un tour d'honneur. Puisque regardez, il a 34 secondes d'avance sur Groenendaal. Et ça devrait s'avérer suffisant pour offrir à la Suisse une médaille d'or. La Suisse qui avait eu deux médailles de bronze, une hier dans la catégorie des espoirs et une aujourd'hui dans celle des juniors. Au cas où ça devrait réussir, eh bien figurez-vous que Runkel offrirait le septième succès professionnel de l'histoire du cyclocross suisse. Il serait en fait le troisième vainqueur, après Pascal Richard en 88, je vous l'ai déjà dit. Et après surtout Albert Zweifel, vainqueur 5 fois en 76, 77, 78, 79 et en 86. Albert Zweifel, dont le fils a roulé ce matin à catégorie des juniors, se classant 8e juste devant le premier belge. Donc après Zweifel et Richard, pourquoi pas Runkel. Trois autres Suisses avaient gagné un titre mondial, mais chez les amateurs. Il s'agit de Salanin en 80, de Busser en 88 et de Frischknecht en 91. Et Frischknecht, le nom est lâché. La force du cyclocross suisse, c'est que sa plus belle star, c'est précisément Thomas Frischknecht, qui aurait peut-être, estiment les spécialistes, dû survoler complètement les débats aujourd'hui. Thomas Frischknecht, le spécialiste du vélo tout-terrain et du cyclocross, qui en fait a été victime pour la deuxième fois cette saison d'une fracture de la clavicule et qui n'a ainsi pas pu disputer ses chances aujourd'hui. Le grand forfait, c'est Frischknecht. Tout bénéfice pour Runkel, qui, parce que Raas ne lui a pas donné de contrat professionnel sur route, a tout misé sur la bouche, devrait dire aujourd'hui, et probablement a raison, pour devenir donc le troisième champion du monde suisse dans la catégorie la plus prisée. Il y aura alors les Pays-Bas avec Groenendaal, les Pays-Bas qui risquent donc de pouvoir obtenir une médaille d'argent chez les professionnels. Ça serait la 8e médaille d'argent professionnelle de l'histoire du cyclocross aux Pays-Bas. Et le tour d'honneur de Runkel. Il n'a pas du tout connu, on a vu les écarts, il va pouvoir sauter son écart, il était passé à plus de 30 secondes. Donc Regardez, il lève déjà la main alors qu'il est à la moitié du parcours, à la moitié du circuit. Il lui reste donc, je dirais, un petit 1500 mètres encore à accomplir. Et il a levé la main gauche, ça veut dire qu'il est sûr de lui, parce que normalement, même avec 30 secondes d'avance, sachant qu'il y a tout de même deux descentes excessivement dangereuses, qu'il y a toujours des risques, eh bien, il est sûr de son coup, il n'y a rien à faire. Voici Honegger, et devant c'était Van Der Poel, et je ne vois pas Van Zandvliet. Est-ce que Van Zandvliet aurait... Le voilà, juste derrière, donc Van Zandvliet pour le moment 6e position. Donc Runkel 1, Groenendaal 2, Wabel 3, Van Der Poel 4, Honegger 5, Van Zandvliet 6 et Arnoux 7. C'est pour le moment les positions qui devraient très peu varier, je pense, ici la ligne d'arrivée. Eschenbach qui va donc consacrer un des siens au milieu de plus de 20 000 spectateurs dans cette région du canton de Saint-Gall, où vivent 70 familles d'agriculteurs, mais ce n'est pas les êtres humains qui sont les plus nombreux ici. Il y a 1000 vaches, 1800 cochons, 560 moutons, 2200 poules, 60 chevaux, 18 oies, canards et dindes, et un champion du monde dans un instant, j'ai bien l'impression, avec Dieter Runkel, qui double maintenant un concurrent anglais, puisqu'il
puisqu'il est à l'image, pourquoi pas citer son nom, Peter Stevenson. Je ne vous réciterai pas le palmarès puisque vous le connaissez par cœur. Et voilà, Runkel, qui donc va devenir champion du monde. Runkel 1m80, 68 kilos, donc c'est vraiment un peu ce qu'on disait, c'est un coureur qui est grand, fin, longiligne, mais relativement léger, hein, 68 kilos pour 1m80, ça veut dire qu'il ne fait certainement pas d'excès, et qui tourne depuis le début en 9.30 à peu près, entre 9.30 et 9.40, c'est très rapide évidemment, pour un tour, et qui est né et vit à Obergosken, donc une localité du canton de Zurich, juste le canton à côté de celui-ci. On parlait d'une certaine rivalité entre ceux qui viennent du canton de Zurich et ceux du canton de Saint-Gall où nous trouvons. Beat Breuil est d'ailleurs le vrai régional de l'étape, mais aucun problème, c'est tout profit pour le pays, pour la Suisse, au milieu de beaucoup de drapeaux italiens, d'un drapeau belge, pour la dernière fois. Dieter Runkel aborde très relax ce passage un petit peu difficile, tandis que Groenendaal se bat pour devenir peut-être le Van Der Poel de cette fin de siècle en cyclo-cross. Van Der Poel 5 fois deuxième du championnat du monde, et Groenendaal probablement pour la deuxième fois consécutive, alors que c'est l'avant-dernier moment délicat à négocier pour Runkel. Voilà un petit passage de répit, il lève la main, attention dans cette descente-ci, et là en bas il va vraiment pouvoir savourer, noter qu'il le fait déjà depuis un bon moment. 5 fois champion de Suisse en titre, il passe partout. On va l'appeler comment ? On va dire que c'est un coureur qui est très éclectique de toute façon, puisqu'il a fait de la piste, mais surtout, il a été très bon, je le répète, sur la route, champion sur route. Je répète qu'il a fait 10e la Classique des Alpes, meilleur néo-professionnel en 93, qu'il a disputé et terminé le Tour de France, qu'il a gagné le Grand Prix Guillaume Tell et l'épreuve de cette course à étapes disputée contre la montre en côte. Donc, un grimpeur qui se débrouille sur la route, 4 fois champion de Suisse de cyclocross, et qui devient maintenant champion du monde, toute catégorie. Et après être devenu le champion de Suisse, regardez, devant... Ah oui, mais ça, ce sont en principe les VIP, comme on dit, les very important personnes qui sont là, donc il y a de quoi lever les mains. Mais donc, après être devenu champion de Suisse, il y a de cela 3 semaines, dans la neige de Sappenwil, il prouve donc, encore une fois, combien il peut s'adapter à tous les types de circuits. La route, les labourés sur de la neige et maintenant dans la boue. Il passe partout. Il va remporter la 9e victoire déjà de sa saison. C'est dire s'il s'était bien préparé dans le cyclocross. 9e victoire cette saison en cyclocross pour Runkel, la plus belle bien entendu. Et encore dans son pays en plus. Devant son public, 6 ans après Pascal Richard. Et 8 ans après Albert Zweifel, il devient un peu le troisième homme du cyclocross suisse. Dieter Runkel, il a du culot. Comme Ereigers l'année passée, il avait annoncé « Je vais devenir champion du monde ». Et c'est bien, il a tenu parole, le diable. Voilà donc, Runkel, champion du monde. Un Suisse âgé de 28 ans. Et regardez, je sais pas, non, on ne vous montre pas l'image. Il est descendu le vélo. Et comme une star de cinéma, il s'est levé. Et est en train de faire maintenant des salam alek au sol. Il a bien embrassé le sol. Ah, j'en ai déjà vu d'autres. Il remet ça. Et c'est dommage que la caméra suisse ne vous montre pas. Groenendaal, alors est-ce qu'on lui a dit que, comment dirais-je, que Runkel était devant lui? Oui, bien sûr. Il devient deuxième, comme l'année passée. Richard Groenendaal, sa deuxième médaille d'argent consécutive. Et probablement deux Suisses sur le podium. Groenendaal sera donc dans un instant entouré sur le podium de deux hommes de la nationalité du pays organisateur, comme l'année dernière. Beat Wabel, qui va donc se classer troisième, c'est un beau résultat pour ce garçon. Champion du monde à Munich chez les juniors il y a juste 10 ans, et qui ainsi obtient donc son deuxième podium en cyclocross. Et Adrie Van Der Poel, une 4e place, rendez-vous compte. Encore une place d'honneur, et il lève la main, Adrie, bravo. 2 Suisses, 2 Néerlandais, et Honegger va faire 5e et Van Zandvliet 6e. Voilà, Honegger, tout le monde lève la main, tout le monde est content, tout le monde a gagné. On va quand même leur dire qu'il n'y en a qu'un seul qui aura le maillot et qu'il n'aura que 3 qui auront des médailles. Mais après, un effort pareil, c'est vrai que terminer est un véritable exploit. Et même Van Zandvliet, bravo. Un grand, grand bravo à ce coureur qui aura été remarquable. C'est le premier, je dirais, qui n'est ni
ni néerlandais, ni suisse dans cette course. Il est vrai que nous, Belges, nous avons eu la chance de l'avoir. Lui qui a été un petit peu critiqué peut-être à la base de la sélection parce qu'on se demandait ce qu'il faisait là, mais il faut vraiment lui dire chapeau et le remercier. Là. Bravo à Van Sanfleet et puis le premier Français pour les téléspectateurs du nord de la France, et je sais qu'ils sont nombreux qui nous écoutent, c'est Dominique Arnoux qui termine sixième. Et donc, je ne sais même pas si on peut dire vraiment qu'il sauve le cyclisme français, car il est indéniable que la déception doit être immense et qu'on espérait beaucoup mieux que ces sixième places de Dominique Arnoux. En tout cas, belle performance de Van Sanfleet. Et parmi les cinq premiers, eh bien, ce ne sont que des Suisses ou des Néerlandais. Donc, Runkel, Groenendaal, Wabel, Van der Poel 4e, Honegger 5e, Van Sanfleet 6e et Arnoux 7e. C'est le classement de ce championnat du monde. Qui finalement aura été, je pense, Claudie, bien vu d'un point de vue tactique. On va peut-être un petit peu se rafraîchir les idées. C'est très simple. Au départ, un sprint de Ereiger, je vais dire, au bluff. De Pantoni, un petit peu dans le même style. Mais très vite, les garçons qui ont dominé le cyclocross mondial cette saison, Pantoni et Simunek en tête, ont montré qu'ils ne seraient pas au rendez-vous. Les Français ont fait illusion dans le premier tour avec cette attaque, ce putsch, j'ai envie de dire, de Arnoux et de Magnin, mais qui a très vite avorté. Et alors, grâce à ces deux fusées, Runkel a été véritablement propulsé, dans un premier temps par Roger Honegger, qui a fait un très gros travail et qui a du mérite, parce que Roger Honegger, après s'être véritablement mis à plat ventre dans les premiers moments de cette épreuve, parvient quand même à terminer cinquième. Donc ça veut dire qu'il avait de sacrées ressources, Roger Honegger. Roger Honegger qui propulse d'abord l'équipe suisse, ensuite Wabel qui prend le relais et qui part. À ce moment-là, personne n'est capable de le suivre, et au moment où Wabel faiblit un tout petit peu, c'est alors que Runkel arrive et qu'il conclut finalement pratiquement à la mi-course, une course très limpide dans son explication et tactiquement parfaitement menée par la formation suisse. Écoutez, je crois que l'explication en général est que dans ce genre de course, en tout cas dans ce genre de parcours, il a une chose à faire, c'est rester calme, ne pas faire d'efforts trop brusques. On l'a vu, tous ceux qui ont tenté quelque chose vraiment à l'arraché au sprint ou qui ont vraiment fait provoquer une attaque, ils ont tous payé. Donc Runkel lui est parti non pas facteur, mais est parti à l'usure. Donc je crois que c'est un genre de parcours où il faut vraiment travailler à l'usure, ne pas faire d'efforts démesurés, il faut vraiment calculer ce qu'on fait. Et je crois que Runkel en est l'exemple. Bon, quand je vous entends maintenant énumérer